Petit-fils de Marc Castex, maire de Vic-Férensac de 1971 à 1989. Jean Castex est diplômé de l'IEP de Paris et ancien élève de l'ENA en 1991. Promotion Victor Hugo. Il devient conseiller référendaire puis conseiller maître à la Cour des comptes. Il a ensuite occupé les postes de secrétaire général de la préfecture du Vaucluse puis président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace de 2001 à 2004. De 2004 à 2006, il est le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Puis de 2006 à 2007, il est directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé, puis au ministère du Travail de 2007 à 2008. En mars 2008, il est élu maire UMP de Prades. Puis en mars 2010, il est élu conseiller régional du Languedoc-Roussillon après avoir mené la liste UMP-NC de Raymond Couderque dans les Pyrénées-Orientales. En novembre 2010, il remplace Raymond Soubie au poste de conseiller aux affaires sociales à l'Élysée auprès de Nicolas Sarkozy. Le 28 février 2011, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, fonction qu'il occupe jusqu'à la fin du mandat du président Sarkozy. Le 15 mai 2012, candidat dans la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales, il est battu par la candidate PS Ségolène Neuville lors des élections législatives de 2012. Il soutient la candidature de François Fillon pour la présidence de l'UMP lors du congrès d'automne 2012. À l'occasion des élections municipales de mars 2014, il est réélu maire de Prades dès le premier tour, avec 70,19% des suffrages. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton des Pyrénées catalanes en tandem avec Hélène Rossende.